Dinor, CDF. Attention, là, on grenade. Bref, eh bien les gens, j'espère que vous allez tous très bien, moi ça va nickel, c'est Tina CDF, j'espère que vous êtes contents de voir cet épisode 3 sur ce let's play de Portal 2. En tout cas, les retours ont été positifs, les quelques retours que j'ai eus ont été positifs. On va voir cet épisode numéro 3 ensemble, et bien sûr après, pour vendredi, l'épisode numéro 4. Samedi, il n'y aura pas de vidéo, et demain, non plus. Je ne sais pas quoi vous proposer pour samedi. En tout cas, je pense pas vous proposer quelque chose. Et pour... Le prochain test fait intervenir des grilles d'émancipation, vous vous souvenez? Je sais pas. Je vous en ai parlé dans la dernière zone de test, qui n'en comportait pas. Effectivement, donc on avait réveillé GLaDOS. Donc, durant l'épisode numéro 1, je crois que c'était, on avait réveillé GLaDOS. Alors, il y avait quelques petits bugs de son. On peut pas dire ça, on peut dire plutôt... je fais ça pour son casque. Parce que là, les grillons, là, c'est pas les grillons de chez Christopher, donc il casse la tête. Petite dédicace à Christopher, bah, parce que si il regarde cette vidéo, il va se reconnaître. Qu'est-ce que j'ai à dire? Donc, il y avait le son du jeu qui était plus fort que ma voix, et à certains moments, c'était gênant. Très très gênant, mais sinon, c'était vraiment... Oh non, encore les turbines. Je dois vous laisser. Ah, mais c'est vrai, il faut expliquer le prochain test. Je vous donne la version courte. Voilà, si vous avez des questions, repassez-vous mes instructions au ralenti. Testez à l'instinct, je reviens tout de suite. Normalement, je pense que c'est toujours mieux pour faire comme ça. T'as vu les deux portes en ligne. Si on passe, on a quand même agi. C'est ta rentre. Attends, ton avis est très beau. Effectivement, je me trompais durant l'épisode 1 et 2, je crois que j'ai dit Gladys. Excusez-moi, c'est GLaDOS. Mais bon, vous savez, son prénom est quasi pareil que le prénom féminin Gladys. Donc... Quelle galère. Qu'est-ce qu'on va faire d'elle? Qu'est-ce qu'elle nous réserve surtout maintenant durant les prochains? Alors, on passe au chapitre 3, le récit. En tout, il doit y avoir 10 chapitres, donc on est encore au début du let's play. Vous pouvez voir que j'ai encore ce bug de chargement de cuivre, c'est-à-dire que si ma manette se déconnecte encore une fois, je l'aurai dans les pieds. Le truc qui pète un cap, quoi. Alors, vous laissez les tarifs à l'écran. Me voilà. La plaque de foie aérienne envoie un signal de détresse. Vous l'avez cassé, n'est-ce pas? Voilà, essayez voir. Je ne croirai jamais ce qui est arrivé. J'étais là, par terre, vous pensez que j'étais fichu? Cette plaque ne doit pas être étalonnée pour quelqu'un de votre adiposité. Augmenter le poids maximum de quelques zéros. Vous avez l'air en forme, très belle. Essayez donc. Ta
qu'un oiseau, dingue, non? Et donc, vous avez visiblement dépassé son seuil de charge. Bravo. Je vais plutôt baisser le plafond. Vous avez toute la grâce d'un aigle qui pilote un dirigeable. La grâce d'un aigle qui pilote un dirigeable. What? Mais qu'est-ce qu'elle me veut là? Je comprends pas ce qu'elle me raconte. La grâce d'un aigle qui pilote un dirigeable. Mais elle est paumée dans sa grosse tête. Mon Dieu. Bref. Mon Dieu. Alors, j'ai pas eu de nouvelles concernant mon ordinateur. Alors, pour l'instant, je n'ai rien reçu. Au niveau de du ventilateur. Donc, normalement, voilà. Et sachez que la caméra, le prochain test va vous plaire. Je vais me rendre à la surface. Il fait un temps superbe. Hier, j'ai vu un cerf. Si vous venez à bout du prochain test, je vous autoriserai peut-être à prendre l'ascenseur jusqu'à la salle de repos pour vous reparler de la fois où j'ai vu un cerf. Ah non,
Oh, on peut tenter. On peut tenter. Je sais pas si ça va marcher, mais tentons. Dommage. Moi, je dis que c'est bien ici. Il doit y avoir des trucs qui servent à rien. Ah c'est vrai, on est pas sur PS4, j'ai oublié. Je voulais faire le PS Zoom, mais ça marche pas. Alors attendez. Là, il n'y a vraiment pas moyen d'y aller. Non, c'est une zone qui sert à rien. Ah, d'accord. C'est une zone qui sert à rien. Si on peut mettre un portail là. Je ne comprends pas. Alors, peut-être que mon cerveau n'est pas assez évolué pour ça. Mais là, actuellement, je ne comprends pas. Je fais des tests. D'accord, c'est totalement de la merde. Ah, ici, y'a rien. On passe dedans, ouais, là, tu sais. Ça va. Le fil qui est là. Mais comment l'attraper? Tirer les cheveux. Ça reste quand même. Ah ouais, c'était ça. Pourquoi c'est pas mon chat pour l'instant? Voilà. Donc maintenant. Ah mais c'est ça. Vas-y bien. C'est la première fois. Peut-être qu'il fallait rester direct. C'est pas une question. Elle me referme. Bah non, je suis bête. Non, je comprends. Ah, je commence à comprendre. Ah, c'est une parole.
Donc on n'a pas le choix. Non, je vais être... Aïe. C'est bon, j'ai compris. Oh, dommage. Ok, là. Oh, boom, bitch. Mais non, j'ai oublié le cube. Non, c'est trop beau, putain. Chier. Et l'espèce de GLaDOS. C'est pas nul pour nous. On est les meilleurs. Machine de merde. Et nous, on est les trois. Eh bien voilà, c'est gagné. Je n'ai pas vu le cerf aujourd'hui. J'ai vu des humains. Mais avec vous, j'ai tous les sujets de test qu'il me faut. Le cerf? Pourquoi le bordel de cerf? Elle est starvée cette meuf. Bref. Le principal, c'est qu'on a passé ce test. Il commençait à être vraiment compliqué là. J'ai bien réfléchi pendant 3 heures au moins. Non, pendant au moins 10 minutes que j'ai galéré. Alors qu'il fallait juste retester. Faut que je fasse plus attention. Plus attentif, Tina, voyons. Sois plus attentif. Alors. Ces ponts sont faits d'une lumière naturelle que je pompe de la surface. Si vous frottiez votre joue contre l'un d'entre eux, vous auriez l'impression d'être dehors, le visage baigné de soleil. En outre, vos cheveux s'embraseraient. Je vous déconseille donc d'essayer. Alors là, nous allons... Ah, c'est la galère. Excellent. Vous êtes une prédatrice et ces tests sont vos proies. À propos, j'ai réalisé des recherches sur les requins pour un futur test. Connaissez-vous d'autres créatures qui tuent leurs bienfaiteurs? Les requins, vous dites? Erreur. La bonne réponse est personne. Personne sauf vous n'a cette cruauté gratuite.
J'ai hâte de la débrancher. Je suppose qu'on va la redébrancher. Hein. Sale peste. Je crache dessus. Moi. Et honte de la nature. Je sais pas pourquoi les humains ont crié. Bon, on voit un petit coup. Bonne nouvelle, j'ai trouvé comment investir l'argent que j'épargne en recyclant le volume d'air qui vous est destiné. À votre mort, je vais faire plastifier votre squelette et vous accrocher à l'accueil. Ainsi, les générations futures pourront éviter l'inconvénient d'avoir votre structure osseuse. Hein ? Ah bah d'accord. Bon bah écoutez, c'est ici qu'on a décidé de s'arrêter. La manette s'est déconnectée. Bah de toute façon, je comptais bien de m'arrêter. Alors ça va plus arriver. Et je vous le promets, cela ne va plus arriver. Pourquoi ? Parce que je prends la manette de PS3. Voilà, comme ça n'arrivera plus. Et c'est parce que tout simplement les câbles sont de PS3, ils sont de PS4. Donc forcément voilà. Et puis à force de brancher la manette PS4 et de jouer avec branché, voilà, la batterie commence à tourner de l'œil. Donc je vais arrêter de faire ça d'ailleurs. Bref, j'espère que cet épisode numéro 3 de notre esprit sur Portal 2 vous aura plu. Si jamais il vous a plu, je vous propose de mettre un petit pouce vert. Amistime en ligne, 0. Ah, je suis sans amis. Bref, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vert si cette vidéo vous aura plu, le petit commentaire pour donner votre avis. N'hésitez pas surtout à partager cette vidéo à votre cousin, votre tante, votre cousine, votre chien, votre chat et tout ce qui s'en suit, tout le monde. N'hésitez pas à partager au monde entier. Et puis sur ce, moi je vous dis à la prochaine pour l'épisode numéro 4 de notre réception Portail 2. Allez, bye tout le monde.